Je pense que tous les soirs, les parents ils sont contents que leur enfant aille au lit. Mais durant la journée, c'est du bonheur. Et puis surtout, je pense que la relation que je crée maintenant avec eux va m'aider plus tard. Moi, je pense que les pères qui ont, dès le départ, été impliqués autour de, de, de la vie de l'enfant, ils s'impliquent sur un plus long terme. J'ai l'impression que la plupart des pères que je connais sont impliqués parce qu'en fait, euh, aussi, je me réfère peut-être un peu à l'image de mon père. Ou si j'ai encore plus loin de mon grand père, euh, qui était franchement pas tellement impliqué. Et impliqué pour moi, c'est un peu être à la maison, seconder dans les tâches, par exemple bah, ménage, cuisine, euh, etc. Euh, ça paraît un peu peut-être euh, basique, mais c'est un peu ça. Et c'est ça qui change vraiment entre mon père et moi, par exemple. J'ai l'impression d'être plus impliqué à ce niveau-là. Le premier travail pour un pour un futur père, c'est de, de de regarder en arrière et puis de dire. Euh, voilà, voilà, ce que j'aimerais continuer, puis voilà ce que je voudrais arrêter euh, qui n'a pas plu, qui m'a pas plu dans, dans l'éducation de mon père. On a toujours des choses à, à comment dire, à, à revendiquer sur sur ce qu'a fait notre père, forcément. Euh, je l'assiste beaucoup. Euh, les ménages les achats, faire les courses, m'occuper des enfants. Une fois qu'ils les fatigué, je l'assiste. C'est pas forcément un papa poule, mais euh, c'est un père qui, euh, qui participe, qui, qui s'investit, qui prend pas... Euh, qui, qui prend une part de la charge émotionnelle à son compte. Responsabilité. la responsabilité responsabilité de responsabilité Et euh, mais c'est surtout ouais, moi je me souviens des premières fois chez le pédiatre où, euh, où on nous a dit voilà alors le vacciner pas le vacciner puis là je me suis dit mais c'est quand même euh, c'est une lourde responsabilité d'être parent parce qu'on doit prendre des voilà faire des choix comme ça qui influent sur euh, sur la vie de cet enfant euh, tout <laughs> euh... C'est un grand. Euh, en fait, c'est un, un changement, moi, je pense que j'ai largement sous-estimé. Je pensais pas que. Euh, je pensais que ce, je voyais que le merveilleux. Je pensais pas que ce serait un changement fondamental euh, de moi, mon rôle en tant qu'être humain, de mon rôle vis-à-vis -vis de ma femme, et puis euh, un nouveau rôle en tant que père de famille. Mmh, c'est tout de même ce fait de ne plus être euh, tout seul, je veux dire, parce que même si. C'est peut-être un peu un peu brutal, mais même en couple, je dirais qu'on n'est plus tout seul. Mais là, j'ai vraiment vraiment l'impression de ne plus être tout seul. Ça veut dire d'avoir toujours quelqu'un, comme je le disais, en charge, et puis euh, d'avoir toujours un petit souci en tête. Euh, ouais, l'impression, si on peut dire ça, d'être plus tout seul dans ma tête. Ben tout. Ben je suis papa maintenant. Il n'y a pas de, de retour en arrière possible. Bon, pour moi, je crois que c'est comme pour la maman, c'est se découvrir une autre facette de notre personnalité et de découvrir une responsabilité euh, que l'on devrait tous avoir à accueillir un bébé. C'est aussi un peu plus compliqué parce que, aussi, pour les mamans euh, qui sont toute la journée avec l'enfant, quand vous arrivez fatigué du travail, bah, il faut quand même euh, l'aider. Alors, est, euh, est, on est toujours dans une tension hein, quelque part parce que, euh, moi, en tant que père de famille, euh, je sais que j'ai euh, des ambitions et puis une pression au niveau professionnel qui est assez élevée. Euh, J'essaie quand même de ménager ce temps que j'ai avec la famille parce que euh, pour moi il est prioritaire. C'est aussi le temps dans lequel je me ressource euh, avec ma femme et avec mes filles. Enfin, depuis que Jules est né, c'est-à-dire six ans, j'ai changé de métier. Avant, j'étais banquier trader, donc je travaillais énormément. Aujourd'hui, je suis enseignant. Je peux adapter mes horaires, c'est-à-dire que je peux travailler le soir plutôt que la journée. Euh, bon, je dis familial euh, en premier, c'est clair, il y a beaucoup de, de changements euh, organisationnels et puis de, 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 de situations de vie. Ensuite, la, la partie privée, c'est clair qu'on sort beaucoup moins avec les copains euh, faire des activités, on est moins disponible. On dort, on dort moins, c'est ça. <laughs> Ça, je crois que c'est aussi à cause de l'expérience sur notre pays. C'est toujours l'homme qui travaille. Il est normalement les femmes restent à la maison avec les, les gamins. C'est elle qui spontanément a souhaité euh, réduire son activité professionnelle. Et puis, euh, ben moi, quelque part, ça m'allait bien. Du coup, je sais pas si ça aurait été vraiment Facile pour moi, je ne ouais, sais pas si honnêtement si ça aurait été facile pour moi d'arrêter mon activité professionnelle. Mais là, quand c'est le choix de la femme qui dit moi je veux rester à la maison, ça nous valorise parce qu'on se dit maintenant c'est nous qu'on doit protéger notre famille en amenant de l'argent. C'est pas les deux qui bossent à gauche à droite. Vu que elle, elle avait un salaire, elle a un salaire plus grand que le mien, puis donc on avait, on a décidé que ce serait moi le père au foyer. Euh, mais maintenant, pour ma femme, à partir de trois mois, elle voulait, enfin elle avait besoin de, voilà, de retravailler un jour par semaine. Euh, et donc moi, j'ai réussi à m'arranger justement pour pouvoir avoir un jour par semaine de libre que je compensais d'une manière ou d'une autre. Et elle pouvait aller euh, travailler un jour par semaine. Et ça lui faisait justement sa, sa bulle d'air à elle. Bon, je crois que la société, c'est un peu normal que l'homme travaille la, la, la femme reste à la maison avec les enfants. Mais dans notre case, dans ma famille aujourd'hui, euh, c'était une chose tellement simple d'arriver de, 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 à une décision, qu'on a dit « Maman, tu restes à la maison avec l'enfant, je vais travailler. » Mon choix s'est quand même porté sur un, une activité qui était dans un rayon euh, euh, assez restreint du domicile, euh, malgré euh, ayant des Certificats et diplômes plus élevés par rapport à ce que je peux déployer aujourd'hui dans le monde professionnel. Oui, il existe toujours. Euh, euh, il vit un peu plus en pointillé, je dirais. C'est un peu euh, euh, des soupers de temps en temps, des sorties de temps en temps, mais la priorité est quand même de. De, de s'occuper de notre fille, on, est quand même, on passe beaucoup plus de temps à trois qu'à deux, effectivement. Hmm. <laughs> euh, Est-ce que le couple d'avant les enfants existe toujours euh, Oui, je pense. Le couple d'avant les enfants, il, il existe toujours. Il a été euh, remanié. Euh, on a une relation qui est différente. On est peut-être. Euh, oui, c'est.

Bah, je dirais que ça dépend un peu les jours, parce que bah, le week-end où je suis tout seul, je me sens vraiment papa. Et puis euh, après, tous les autres jours où on partage euh, notre quotidien, je me sens papa parfois et conjoint. Mais je crois que je fais qu'un en fait. Ni l'un ni l'autre. <laughs> je dirais plutôt euh, assistant logistique. Je pense que j'essaie de dissocier les deux au maximum. Après, je parle pour moi <laughs> donc euh, euh, mais je veux, être le, les, je veux être les deux en tout cas mais je veux pas être pour ma femme le père de sa fille voilà je veux qu'elle voie avec les deux parce que je pense c'est important de voir avec les deux aussi parce que si elle ne voit que le conjoint aussi je pense qu'elle y a, y a, a besoin de moi aussi comme père d'être présent pour, pour la fille et puis, euh, puis d'avoir confiance en moi comme, comme père aussi. Ce que je trouve d'assez de, de, magnifique quand le père s'occupe de son enfant, c'est que très souvent, c'est quelque chose de plus léger et de plus souple et de plus euh, libre et de, de moins contraignant. Je, la mère, souvent, elle a quand même ce besoin d'être une mère parfaite. Et je trouve qu'on ne sent pas ça chez le papa.